Eh bien, salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un skin gratuit et je vais vous expliquer comment faire pour le récupérer. Tous les joueurs sont éligibles pour l'obtenir. C'est incroyable, les gars. Mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, c'est très important. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire pour récupérer le skin gratuit. Ça faisait vraiment très très longtemps qu'on n'avait pas obtenu de skin gratuitement, donc on va en profiter et on va tout découvrir. Avant toute chose les potes, comme d'habitude et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, je compte vraiment sur vous. Abonnez-vous si vous l'êtes toujours pas. Et enfin pour terminer, merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU, ça s'écrit C-H-O-U. 4 lettres seulement, merci infiniment à tous ceux qui l'ajoutent, c'est grâce à vous que je peux financer autant de concours et autant de cadeaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre tout de suite dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games, j'ajoute en ami ceux qui me soutiennent, profitez-en, c'est gratuit, et j'envoie très régulièrement des cadeaux, et la plupart des cadeaux, c'est des skins. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez très nombreux à commenter, n'hésitez pas, ça prend seulement quelques instants, et comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo. Aujourd'hui, il y a plein d'informations, donc on va en louper aucune. Tout d'abord les gars, voici à l'écran une petite image qui nous montre l'ordre de sortie des prochains skins Halloween. Comme vous le voyez, il y en a pas mal qui arrivent. Tout ça, ça nous a été dévoilé par Epic Games et ça a été complété par nos leakers. Comme vous le savez, actuellement Epic Games nous dévoile des petits teasers concernant les sorties des prochains skins. Et donc nos leakers ont réussi à associer chaque carte à un skin. Et voici les prochains qui vont sortir. C'est incroyable, il y en a pas mal qui sont plutôt stylés. Et pour ma part, je les attends avec impatience. Les deux skins que j'attends le plus, c'est le skin Nomade ainsi que le skin Poiscaille en mode bonbon. Franchement, ils sont plutôt sympas. Et désormais, il ne nous reste plus qu'à patienter afin de les obtenir. Les potes, il y a environ 24 heures de ça, à l'heure où je vous parle, l'XP des quêtes quotidiennes a été augmenté. C'est passé de 30 000 XP à 45 000 XP. Franchement, c'est énorme. Ça nous permet d'augmenter encore plus rapidement nos niveaux. Et aujourd'hui, il y a seulement quelques minutes de ça, on a eu encore une mise à jour concernant l'XP. Et comme vous le voyez à l'écran, ça concerne les défis hebdomadaires. Maintenant, ça rapporte 75 000 XP. Merci à Epic Games. C'est vrai qu'au début de la saison 8, c'était tout de même assez compliqué d'augmenter nos niveaux. Alors que là, maintenant, il nous suffit de lancer une partie, de faire quelques défis. Et c'est incomparable avec le début de la saison 8. C'est largement plus facile. Désormais, on va parler d'une nouvelle collaboration. Spider-Man avec Fortnite, ça fait un petit moment qu'on attend cette collab, et bien sachez qu'elle va être confirmée d'ici les prochaines semaines, et ça, ça nous a été révélé par Hypex. Et oui, comme vous le voyez, c'est pas n'importe quel leaker qui nous en parle, c'est Hypex, le plus connu au monde et le plus fiable, et il nous a dit que dans la mise à jour d'hier, la 18.20, on a trouvé dans les fichiers du jeu des noms de code qui font référence à Spider-Man, donc normalement, ça ne fait aucun doute. Le skin arrive très prochainement dans la saison 8, et probablement dans la boutique d'objets, parce que oui, normalement le skin sera payant. Ça m'étonnerait qu'il soit gratuit. Quoique, on va découvrir une information tout de suite, sa date de sortie, et c'est vrai que ça concorde plutôt bien avec les récompenses de Noël. Alors comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche la date de sortie du prochain film Spider-Man qui aura lieu le 17 décembre 2021. On a encore le temps, il nous reste 2 mois, mais bon, ça tombe pile poil pendant l'événement de Noël sur Fortnite, et donc forcément, on aura peut-être la chance d'obtenir le skin Spider-Man gratuitement. Est-ce que c'est possible? Ça m'étonnerait. D'ailleurs, je vous ai parlé de la sortie du skin pendant la saison 8, ça se passera plutôt lors de la saison 9, parce que qui dit décembre dit lancement de la nouvelle saison. Les potes, il faut qu'on parle encore de Midas. Midas Ombre arrive très prochainement dans la boutique d'objets. Midas Ombre, c'est qui? C'est la nouvelle variante du skin Midas qui avait fait son apparition dans un pass de combat. Et franchement, regardez-moi ce nouveau style, les gars, il est juste magnifique. Il faut savoir qu'il s'agissait du boss de l'année dernière, de l'événement Halloween 2020, et il nous permettait de débloquer dans la map de Fortnite une arme mythique qui était la Thompson. Elle était surcheatée, elle nous permettait d'abattre des ennemis ultra rapidement et surtout très facilement. Concernant le boss Midas, il était plutôt stylé, assez facile à vaincre, mais bon, ça donnait vraiment l'envie de se rendre au centre de la map, de le buter, de récupérer son arme et d'éliminer tous les autres joueurs. Et comme je vous l'ai dit, il y a seulement quelques instant de ça, ce skin va faire son apparition dans la boutique d'objets. Je l'attends avec impatience, ça fait un an que je l'attends. Et regardez, je vous affiche un petit gameplay à l'écran qui nous a été partagé par nos leakers. Ils nous disent que le skin de Midas possède une main en or et il est dit qu'à chaque élimination lors d'une partie, le skin va se transformer petit à petit en Midas Ombre, la forme finale qui avait été révélée l'année dernière pendant l'événement. Du coup, comme vous l'avez compris, à chaque kill qu'on va effectuer, le skin deviendra de plus en plus ténébreux. On parle d'Halloween les gars, donc forcément, on est obligé d'en venir aux récompenses de cette année, les récompenses gratuites. Comme vous le voyez à l'écran, je vous les affiche toutes, il y en a 5 pour le moment qui ont été découvertes. Mais bon, elles sont tout de même assez stylées. Il y a tout d'abord un planeur, un camouflage, une pioche, une traînée. Et concernant la cinquième récompense,
il faut savoir qu'il s'agit d'un accessoire de dos. Ok, pour le moment, c'est les seules récompenses qu'on a trouvées, il y en aura bien évidemment d'autres et qui apparaîtront dans les prochaines mises à jour. Pour les débloquer, pour le moment on ne connaît pas les défis, ça apparaîtra très prochainement, donc les gars, restez connectés sur la chaîne pour savoir comment faire pour les obtenir. Concernant la date de lancement de l'événement, ça se déroulera le 26 octobre, c'est en même temps que la sortie de la mise à jour 18.30, qui est la dernière mise à jour d'Halloween. Alors les potes, n'hésitez pas à vous connecter dès maintenant sur Fortnite, Epic Games a offert un ticket de remboursement gratuitement à tous les joueurs de Fortnite. S'il y a un skin que vous avez acheté récemment et qui ne vous plaît plus, eh bien vous pouvez vous le faire rembourser, c'est plutôt sympa. Par contre, faites attention, ne dépensez pas vos tickets n'importe comment, gardez-les au chaud. Et si un jour vous avez vraiment besoin de V-Bucks parce que vous êtes en galère, eh bien utilisez votre ticket, achetez un nouveau pass de combat ou alors achetez ce que vous souhaitiez obtenir. Maintenant, on va parler du skin gratuit et ça va se passer dans l'événement Parrainer un ami qui va avoir lieu très prochainement. Alors il faut savoir qu'il y a quelques temps de ça, on avait eu un événement assez similaire qui s'appelait Rétablir un ami. Cet événement nous permettait de débloquer pas mal de récompenses gratuites. Tout ça assez facilement et très rapidement. Il suffisait de jouer avec un ami qui n'avait pas joué à Fortnite depuis plus d'un mois minimum. On réalisait quelques parties avec lui et on pouvait débloquer des récompenses incroyables. Cette année et pendant cette saison 8, on va avoir un événement qui s'appelle Parrainer un ami comme je vous l'ai dit. Et là, cette fois-ci, l'objectif, c'est de faire découvrir le jeu Fortnite à certaines personnes, qu'ils créent un compte et qu'ils réalisent des parties avec nous. À partir de là, on va avoir des récompenses qui sont tout juste magnifiques et qu'on va tout de suite découvrir. Alors comme vous le voyez à l'écran, voici le skin qu'on va pouvoir débloquer. C'est tout juste incroyable, c'est magnifique et j'ai vraiment hâte de l'obtenir. Ensuite, c'est pas tout, on ne s'arrête pas là. On va également avoir une pioche qui accompagne ce skin, un planeur, un camouflage et encore plein d'autres récompenses que vous voyez sur cette image. Il y a un écran de chargement, un spray, une émoticône ainsi qu'un emblème, un petit logo sur Fortnite, pourquoi pas. Alors comme vous le voyez, il y a quelques semaines de ça, le leaker Highfire Monkey nous avait dit qu'on allait pouvoir débloquer le skin gratuitement parce qu'il y avait une phrase dans les fichiers du jeu qui disait déverrouiller une tenue et ça faisait référence à ce skin. Très récemment, il y a seulement quelques jours de ça, Apex a posté un tweet en confirmant que ce skin allait bel et bien être gratuit pour tous les joueurs de Fortnite. C'est incroyable et franchement, ça fait super plaisir. Alors quoi de mieux que la confirmation du plus grand leaker de Fortnite? Maintenant, les gars, on en est sûr. Quand est-ce que ça va arriver? Normalement, c'est prévu pour la saison 8. Ça peut arriver plus tard, pendant l'événement de Noël, ou peut-être avant. Quoi qu'il en soit, restez connectés sur la chaîne. Pour pouvoir débloquer ce skin, comme je vous l'ai dit précédemment, il suffit de parrainer une personne, de faire quelques parties avec lui, et on pourra débloquer toutes les récompenses que je vous ai présentées. Il y aura probablement d'autres défis qu'il faudra accomplir. Pour le moment, on s'attend tous à ce défi. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne sais pas, mais il y a de fortes chances. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes vraiment hypé pour débloquer ce skin, les gars, je compte sur vous. Bombardez la vidéo de pouces bleus. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Code créateur chou si vous souhaitez me soutenir. Ajoutez-le dans la boutique d'objets. C'est tout pour cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ciao, ciao.